et leur identité nationale, et pas nous. Et pour une raison très simple, monsieur, c'est qu'il y a des identités qui sont dominées. Il y a des pays qui sont dominés. La France est un pays qui a une identité impériale, coloniale, qui est dominante. La France est un pays qui fait partie du Conseil de sécurité, qui fait partie de l'OTAN, qui a la possibilité d'envoyer des contingents en Afghanistan, bien entendu. Donc, les identités des pays dominants, monsieur, sont des identités réactionnaires. Alors qu'à l'inverse, les identités des pays du Sud sont-elles, au contraire, des identités émancipatrices lorsqu'elles sont des identités qui sont émancipables, parce que précisamment, elles se préservent de la domination des pays occidentaux. Et ça, c'est important de... C'est important de... Comment ça, c'est pas raisonnable? C'est important... Quelle émancipation?